Nomad, j'ai quelque chose pour toi. Je t'ai envoyé un colis. Je t'envoie les coordonnées. Quand tu y seras, appelle-moi. Je t'expliquerai tout. J'ai demandé à Pak Katari de nous envoyer un véhicule. Voilà votre véhicule, camarade. On essaie de... Activité ennemie, on se concentre. Je désigne une cible. Attention aux civils à côté. Je vois un sicario. Fais voir où ils sont. Près du conteneur alimentaire. Contrôlez vos cibles. On a des civils sur zone. Il y a des civils. Vérifiez avant de tirer. J'ai aligné la cible. Ennemi désigné. Par contre, il est à peu près des civils. Ils savent qu'on prépare quelque chose. C'est bon, ça va, vous tenez le coup? Certains parmi vous m'ont fait part de leur inquiétude. Et je sais que vous les partagez tous. Toute ma vie comme vous, j'ai honoré la Pachamama. Je lui ai témoigné le respect qui lui est dû. J'ai enseigné ce respect à mes enfants, et j'en ferai autant avec les leurs. La Pachamama, c'est l'équilibre, l'harmonie. Prêt, feu à volonté. Bien sûr, le feu. Je me félicite de la présence de la Santa Blanca en plus. Ça n'a rien à voir avec l'industrialisation forcée que les gringos et leur CIA ont essayé de nous infliger. Cartel mexicain, ces cartels latinos croient comme moi que les êtres humains sont les gardiens de la Terre. Il y a moyen, si on s'y prend bien, de concilier les intérêts de l'homme et son âme et terre. La Santa Blanca est notre allié, l'allié de notre Terre. C'est de l'avenir de la Bolivie. De l'héritage que nous allons laisser aux générations futures. Et merde, on est grillé. Suaves y con carácter. Tabaco fino tostado a la manera tradicional. Humitos con pipa. La mejor compañía para quien sabe disfrutar el aroma de un buen cigarro. Humitos con pipa. A la venta en su estanco favorito. Son las 9 en punto. Hace sol ahorita y va a hacer mucho calor hoy por la tarde. Va a ser parecido por 2 o 3 días hasta jueves, cuando la lluvia viene por la noche y hay mucho viento. Ten cuidado si viaja a las montañas y hasta el fin de semana va a ser mucho viento. Hasta mañana.
cabrones llegamos chingando. Y la verga nos han de pelar. Esto es Santa Blanca Radio. Lancé comme une merde à couler rose. Dégagez. Bougez-vous le cul, on n'a pas toute la journée. Rade lancé. Maintenant que la station est fermée, les rebelles vont peut-être pouvoir redresser la barre. C'est bon, on est tranquille. Un max de loupiotes et de boutons. Je préférerais quand même conduire. Nomad, j'ai quelque chose pour toi. Je t'ai envoyé un colis. Je t'envoie les coordonnées. Quand tu y seras, appelle-moi. Je t'expliquerai tout. Hemos perdido contacto con las tropas enemigas. Todas las unidades mantengan su información de búsqueda. Attention, il y a des unités militaires dans le secteur.
Bowman. On a trouvé le colis. J'ai la carte d'accès. Lunidad détient un ingénieur de haut rang de chez Skeltec. Tu t'en doutes, il a des secrets industriels américains plein la tête et on voudrait qu'il reste secret, tant qu'à faire. Lunidad l'a consigné dans un centre de recherche souterrain. Cette carte devrait ouvrir la porte de sécurité. L'emplacement du site en question est reporté sur ta carte. J'ai besoin de ton équipe et toi sur place. Retrouvez-le et sortez-le de là. C'est dans vos cordes ? Une simple extraction ? C'est comme si c'était fait. Évite de trop t'avancer. Fais-moi signe quand t'auras retrouvé l'ingénieur. Bowman, terminé. L'ingénieur de chez Skeltec s'est aventuré un peu trop loin de chez lui. Et Lunidad lui a mis le grappin dessus. Faut qu'on le récupère avant qu'il déballe tout ce qu'il sait. Skeltec ? La société high-tech fondée par Jay Skell ? Qui ça ? L'un des hommes les plus riches et intelligents de la planète, rien que ça. C'est sûrement Skeltec qui a conçu la moitié de notre équipement. S'il est aussi pété de thunes que ça, pourquoi il a besoin de nous pour rattraper ce merdier ? On va plutôt s'estimer heureux qu'il nous ait pas déjà remplacés par des robots. J'ai une caisse d'armement en visuel. Super, c'est pile ce que je voulais. C'est sûrement l'entrée. Drone actif.
Mais où est-ce qu'on est, là? C'est gigantesque. Des gardes en visuel? Non. Et ça me rassure pas. Ouvrez grand les yeux. Déploie une balise, les rebelles enverront quelqu'un à récupérer ces marchandises. Sûrement des civils. Évitez d'arroser à tout va. Quelqu'un s'est déjà pointé avant nous. Restez en alerte.
bonne nouvelle, c'est que les scientifiques sont encore en vie. Ils sont dans les vapes, mais vivants. Il y a que les soldats de l'Unidad qui se sont fait buter. Celui qu'on cherche est sûrement encore en vie. Et on le retrouve comment dans tout ce bordel? À ton avis, on cherche. Déploie le drone. Thank you.
munitions de gros calibre. Ces types-là sont pas venus pour rigoler. Le drone a décollé. On n'est pas seul. Silence. Walker, qu'est-ce que tu fous là? Bowman m'avait pas dit que tu serais là. Normal,
Les petits chefs dans son genre savent pas que je suis là. Tu fais du tourisme? Un safari? Oh, c'est quoi le gibier? Un ingénieur, un haut gradé de chez Skeltec. Daniel Rodriguez Arellano. Il a accès à certaines technologies, du genre que notre gouvernement refuse de partager. Mais voilà, ça fait un bout de temps que Daniel vit en Bolivie. Ça m'étonnerait qu'il soit là pour mater le paysage. Il fourgue ses secrets à l'Unidad. Et lui et moi, on va avoir une petite discussion. La mission que nous a donnée Bowman, c'est de le sauver de l'Unidad. Écoute, je vais pas te la faire à l'envers et je vais jouer carte sur table. Bowman, c'est elle ma véritable cible. Elle est au courant pour ses combines, mais elle le couvre, ce petit fumier. Qu'est-ce qu'il fait pour eux? C'est leur informateur chez l'Unidad. Ça doit être des putains de secrets pour que tu sortes des clous comme ça. Faut croire. Putain, les voilà. Relève-le. Ok. Kayate, si tu veux sauver ta petite gueule, tu me suis et tu fais ce que je dis. Allez, bouge. Nous a laissé de quoi s'amuser. Allez, on s'y met. Puta madre! C'est qui ce type? Si tu veux vivre assez longtemps pour le savoir, reste à couvert. C'est bon, ça va, vous tenez le coup? Frag lancé.
déclenché, comme une mierda, culeros. Au calme. Ennemis sur zone, attention!
Attendez, je pose une mine. Civil touché. J'ai une solution de tir. C'est bon, on est tranquille. Vous faites du bon boulot! Faudra qu'on remette ça un de ces quatre. Tu m'étonnes. La prochaine fois, je rapporte un plus gros calibre. Et moi, plus de grenades.
attention ennemie dans la zone. J'ai une cible. J'en vois un autre. Mierda ! Sortez-moi de là ! On l'a repéré. RAS de ce côté. Actif. Faites bien attention, il y a des ennemis dans le coin. Là, on les a énervés. Sniper, couvre de plein ventre. Barrez-vous! Tu fais quoi? Je vais les retenir. Tu me revaudras ça la prochaine fois. Sûr, ils sont un paquet. Et puis ça me ferait chier de te devoir quelque chose. Mais chier, on a un sniper! J'ouvre le feu! Yeah.
au-dessus de tes forces, hein? Quand il faut se battre, tu laisses ça à personne d'autre. Ouais, c'est pour ça qu'on me paie. Allez au bout de la mission. Escortez Daniel jusqu'au point d'exfiltration. Je reste en contact. Concentrez-vous, on a de la compagnie. Moi qui pilote. Deux secondes, je prends le volant. On est parti! Bowman, on tient le colis. Ça se passe où pour la livraison? Bon boulot. Vous en avez pas trop bavé, j'espère. Attendez. Bowman? Karen Bowman, tu connais ce type? Escortez-le jusqu'à la planque. Je vous transmets les coordonnées. On cherche des intels dans le coin. Hola, ¿qué tal? Vous auriez des trucs à me dire sur le cartel ou les sicarios? Gracias, bonne chance.
C'est là qu'on se sépare, amigo. Fais attention à toi. Bowman, ici Nomad. On a livré le colis. Nickel. Laissez-le au refuge. Je prends le relais. Ils se pissent dessus en voyant nos armes. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Je désigne un ennemi. Il a des civils à côté de lui. Je rejoins la position. Reçu, je vais me placer. Cible repérée, quand tu veux. Cible repérée. On se fait attaquer. J'ai perdu le visuel. J'attaque l'ennemi. Mierda, es el enemigo. Cúbranse. C'est parti, ils nous ont vus. Les renforts ennemis rappliquent. Dans pas longtemps. On fait quoi? Frag lancé. Bon, on reprend le cours de la mission. Tu te rappelles? Sauver le peuple bolivien du cartel de la Santa Blanca. Ouais, j'ai la sulfateuse qui me démange. Pas encore. J'ai un étrange pressentiment concernant Bowman et cet ingénieur. Allez, on se bouge. Mission à écoute. Nomad, envoie le drone. Je m'en charge. Je déploie le drone. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. Caligna. Je vais bien, je te promets. Ceux qui m'ont sauvé, ils... Bref, ça ne change rien. Quelqu'un va bientôt m'amener à l'aéroport et me faire sortir de là. Dis aux enfants que papa va bien. On se retrouve à Oroa. Est-ce que tu es sûr de toi? Une île au beau milieu de nulle part. Après tout ce qui s'est passé, tu veux vraiment vivre sur l'île de Trovatron? Claro que si, Carigna. Jace Skell et Skell Tech ont tout prévu. Tout va bien se passer, tu verras. Il faut que j'y aille. Je t'appelle dès que je peux. Te amo, mi amor. Depuis quand Oroa appartient à Jace Skell? Ça t'arrive d'ouvrir un journal? Attendez.
passe un autre appel. C'est moi. Je suis au refuge. Il faut qu'on se voit, maintenant. Je connais un endroit, une ferme. Je t'envoie les coordonnées. Traîne pas en route. Et débrouille-toi pour ne pas être suivi. C'était Bowman au téléphone. C'est quoi le rapport entre la CIA et Skelltek ici en Bolivie? J'en sais trop rien. Mais ça vaut le coup de chercher. Nomade, je crois que c'est pas de notre ressort. Je sais, mais vu ce qu'a dit Walker, je peux pas faire comme si de rien n'était. Walker, ici Nomade. On a surpris un échange radio entre Bowman et l'ingénieur. Ils ont prévu de se rencontrer en personne dans une ferme, seul à seul. Sans aucune escorte. Je t'avais bien dit de te méfier d'elle. C'est trop tôt pour tirer des conclusions. Je veux savoir de quoi ils vont parler. D'abord, j'ai quelque chose à te montrer. Je te transmets les coordonnées d'un aérodrome où on pourra se rejoindre. Demandez aux rebelles de faire un repérage de la zone. Voici nos données sur les sites ennemis. Ok, j'y vais. Faut que je trouve une meilleure position. Compris, je l'ai dans le viseur. Reçu, cible marquée. Lui, c'est réglé.
Ok, la zone est claire. Merde, on a de la compagnie. J'ai repéré un sicario, solo. Là-bas, près de la décharge. Petite décoration de la Santa Blanca. Les sicarios vont l'avoir mauvaise. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. Recule, mais recule, quoi! J'ai appelé les rebelles. Ils vont nous envoyer des renforts. C'est bien reçu. Je vous envoie une unité. Je tire. Bien compris. Paré à tirer. Joli tir. Allez, on fait le ménage et on avance. Je vois une caisse d'armement par ici. Ah ouais, ça je prends. Camaradas, la Madre Coca vient de nous transmettre un message, et il est on ne peut plus clair. Sachez où est votre place. Courbez les chines et récoltez pour la Santa Blanca, ou mourrez. Fijense bien, écoutez bien. Cette attaque contre nous a aussi un autre sens. Si la Madre Coca doit envoyer ses sicarios me tuer, c'est parce qu'elle a peur de ce que j'ai à dire. Queda claro? La Madre Coca ne craint qu'une chose, c'est de voir tous les habitants de Tabacal faire front contre elle. Pourquoi? Parce que sans nous, il n'y a pas de récolte. Sans nous, elle n'a rien. La route qui nous attend est dangereuse, c'est évident. Mais c'est aussi la route d'un avenir plus radieux. Nuestra gente, nos fils et nos filles méritent mieux qu'une vie de peur et de servitude. Moi, je suis prêt à verser mon sang pour leur salut. Et vous? Réfléchissez bien, compañeros. Trouvez votre courage, votre honneur. Faites ce qui est juste. La decisión es suya. Camaradas, la Madre Coca vient de nous transmettre un message, et il est on ne peut plus clair. Sachez où est votre place. Courbez les chines et récoltez pour la Santa Blanca, ou mourrez. Fijense bien, écoutez bien. Cette attaque contre nous a aussi un autre sens. Si la Madre Coca doit envoyer ses sicarios me tuer, c'est parce qu'elle a peur de ce que j'ai à dire. Queda claro?
La Madre Coca ne craint qu'une chose, c'est de voir tous les habitants de Tabacal faire front contre elle. Pourquoi? Parce que sans nous, il n'y a pas de récolte. Sans nous, elle n'a rien. La route qui nous attend est dangereuse, c'est évident. Mais c'est aussi la route d'un avenir plus radieux. Nuestra gente, nos fils et nos filles méritent mieux qu'une vie de peur et de servitude. Moi, je suis prêt à verser mon sang pour leur salut. Et vous? Réfléchissez bien, compagnons. Trouvez votre courage, votre honneur. Faites ce qui est juste. La décision est tuya. J'envoie un autre, ennemi numéro 3. Explosion à attirer du monde, on dirait. Le lieutenant Fulcan. Ils savent qu'on est là. Des renforts ennemis, leur hélico a pris cher. J'engage. Ok, ça roule. On va taper dans le camion, voir ce qu'il vaut. Le camion essaie de se barrer. Tirer de ce camion. On est bon. Tu veux regarder s'il y a du matos potable dans le camion ?
Merde, la tour qui sera en elle. C'est dans leur coin, on dirait. Couple au feu. Le cartel nous envoie ses sicarios.
êtes là. Je vous présente mes hommes. Où est-ce qu'il en reste? Désolé. L'Unidad les a traqués avec un drone de surveillance ultra sophistiqué. Un drone qui embarque une technologie que leur a fourgué cet ingénieur, Daniel. Bowman n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que si. Et la CIA est mouillée jusqu'au cou. Ils ont protégé ce fumier alors qu'il trafiquait avec l'ennemi. Des hommes à nous sont morts à cause de lui. Je renvoie mes hommes au bercail. Mais moi, je reste ici jusqu'à ce que justice soit faite. Ok, c'est la merde. Mais avant de penser à se venger, il faut qu'on sache de quoi il va être question à ce rendez-vous. Y'all are ghosts. Top-tier operators, the quiet professionals. Bravest of the brave, tip of the spear. All that and a bag of chips. But even a bad motherfucker needs help once in a while. Good thing for you, I'm a ghost too. Ça fait un max de loupiote et de boutons. Il y a des fermes de partout ici. On va faire comment pour savoir laquelle c'est? Vous croyez que j'aurais laissé filer cet ingénieur sans avoir les moyens de le retrouver? Je lui ai collé un mouchard, juste avant de vous le confier. Il n'y a plus qu'à suivre le signal. Des ennemis dans le coin. Le drone a décollé. Je désigne la cible. Attention aux environs immédiats. J'ai demandé une reco de la zone aux rebelles. Mobile vers position. Je vais me trouver une ligne de tir. Avant ça, pour trouver une position. Cible marquée. Je suis en position de tir. Fais chier.
dirait qu'ils ont bouclé toute la zone. Si ça, c'est pas une embuscade, Bowman est peut-être dans la merde. Je capte le signal du tracker. Ça vient d'une baraque. Par là. En plein milieu des soldats de l'Unidad. Allez, faut qu'on s'y mette. Bowman n'est pas là. Par contre, Daniel a l'air plutôt à l'aise avec ces connards. Pour Bowman, ça veut dire quoi? Je dirais que ça sent pas très bon. Il y a des civils dans la zone. Contrôlez vos cibles avant de tirer. Ça grouille de civils dans le coin. Lui, c'est réglé. De sale enfoiré. Ok, du con. Je te laisse une chance de me donner la bonne réponse. Où est Bowman? Où est Karen Bowman? Je l'ai livré à l'Unidad. Lo siento, je n'ai pas eu le choix. Il m'aurait jamais laissé quitter le pays sans cette monnaie d'échange. Por favor, tout ce que je veux, c'est retrouver ma famille. Où est-ce qu'ils l'ont emmené? À la base fortifiée Jaguar de Flor de Oro. Pitié, je vous jure, je n'ai pas eu le choix. Je suis pas fait pour ça, moi. Je suis juste un ingénieur. Je peux intervenir? Je t'en prie. Il était américain. Ouais. Et il a trahi son pays. Maintenant, il faut qu'on retrouve Bowman avant qu'elle déballe tout ce qu'elle sait. Me dis pas que tu t'inquiètes pour Bowman. J'en ai rien à foutre de Bowman. Ce qui m'intéresse, c'est de protéger ce qu'elle a dans la tête. Elle connaît l'identité de ma famille. Et de la tienne, peut-être. C'est le genre d'info que la Santa Blanca paie très cher. On y va. Matez cet avion du cartel. Il y a le plein, il est paré à partir. Ben merde. S'ils ont laissé les clés sur le démarreur, c'est tant pis pour leur gueule. On le prend.
C'est bon pour moi, go! Groupe de soldats repérés, là, près de la piste. Avec lui, ça fait 5. Je me mets en position. Reçu, je vais me placer. Ok, je me déplace. Cible repérée. Je désigne un ennemi. Je suis prêt, quand tu veux. Cible neutralisée. Là, on est repéré. Merde! Pas ces petits merdeux qui vont me la faire. J'aurais dû prévoir un plus gros flingue. Ici DJ Perico en compagnie d'un autre gagnant du concours hebdomadaire Tune ta caisse de SP Radio. Chaque semaine, si t'es le 10e à appeler, tu repars avec une caisse. Salut toi le 10e, quel est ton nom? Buenas, je m'appelle André. C'est DJ Perico, je suis le 10e à appeler. Si, carnal, c'est toi qui gagne le concours Tune ta caisse de la semaine. Qu'est-ce que je gagne comme voiture? Attends, non. C'est peut-être un camion. Il m'en faudrait un. Le mien s'est fait poussiller par des rebelles l'autre jour.
laisser l'avion ici. Comme ça, les rebelles sauront où le trouver. Je prends les commandes. La base est gigantesque. On va en chier pour trouver Bowman. Tu lui aurais pas collé un mouchard, elle aussi. J'en pose pas sur n'importe qui. Pas la peine de regarder dans tes poches. Il faut qu'on aille jeter un œil sans attirer l'attention. Si on se fait griller, on risque de mettre Bowman en danger. Je vais fouiller les avant-postes au nord. Vous prenez la base principale. Ok.
Fais-moi signe si tu trouves quelque chose.
C'est bon, on est tranquille. Un sniper en haut de tour. RAS, allez, on avance. Sniper, en haut de la tour. Je rejoins la position. Cible repérée, quand tu veux. C'est bon, je l'ai eu! C'est quoi ça? La DCA? Soldat visuel, ligne à clé. Dis-moi où? Là-bas, près du mortier. Déploie le drone. Je vois le canal. Mon drone est brouillé. Une deuxième cible. Je crois qu'on les a énervés. Fuerzas enemigas detectadas. Todas las unidades, manténganse en alerta máxima. Unidades, comiencen el ataque. Me mets en position. Cible marquée. Merde, j'ouvre le feu. Merde.
J'attendais des renforts à Pakatari. J'ai demandé une diversion aux rebelles. Reçu. J'envoie des renforts à ses coordonnées. Lancé, comme une merde à couler rose. Frag lancé, attention. Nomade, aucun signe de Bowman sur ma position, mais quelqu'un m'a gentiment signalé qu'il y aurait un capitaine sur ta zone qui serait sûrement au parfum. Compris, Walker. Courir après les officiers, c'est ce qu'on préfère. Officier de l'Unidad en visuel, il saura peut-être où trouver Bowman. A su posición. Acaben con el enemigo. En train de se faire sniper. Putain, ça craint, planque pas. Attention!
Pour info, je suis en train de poser une mine. Je pose une mine pour nos amis sicarios. Ninguna señal del enemigo en su última posición conocida. Comenzando una nueva. Attendez, je pose une mine. On va voir si une grenade de diversion ça leur parle. On voit une fusée. Unidades, comiencen el ataque. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs. J'ai repéré un autre ennemi. C'est quoi ça? De la DCA?
un hélico qui arrive. On a de la compagnie. Sniper en haut de la tour. On a de la compagnie, tenez-vous prêts. Vous voyez ça? Ces ravitaillements ont le chic pour tomber dans les pires endroits. Tant pis, il nous les faut. Ok, donc ça c'est fait. Les rebelles n'ont plus qu'à passer la chercher. J'espère que ça va leur être utile. Ce serait quand même trop con d'avoir fait tout ça pour rien. Sniper, en haut de la tour. On peut y aller. Attention, on a des ennemis sur zone. Un soldat de l'Unidad. Tu les situes où? Là-bas, dans le poste de tir. Une tourelle fixe. Ok, la zone est claire. Venez. Concentrez-vous, on a de la compagnie. Attention, qui veut baiser le cartel en détournant un hélico de ravitaillement pour le compte des rebelles? Pour nous, c'est gagnant-gagnant. Thank you.
sniper en haut de la tour. C'est passé tout près. Sniper en haut de la tour. C'est bon. On va indiquer aux rebelles où trouver ces marchandises. Ils nous renverront l'ascenseur plus tard. Nomade, aucun signe de Bowman sur ma position. Mais quelqu'un m'a gentiment signalé qu'il y aurait un capitaine sur ta zone qui serait sûrement au parfum. Compris, Walker. Courir après les officiers, c'est ce qu'on préfère. Officier de l'Unidad en visuel. Il saura peut-être où trouver Bowman. Hélico de l'Unidad en approche. Planquez-vous. On est prêt. Feu. J'exécute. J'ouvre le feu. Sniper! D'un tir d'artillerie. J'ai appelé les rebelles. Ils vont nous envoyer des renforts.
J'ai appelé les rebelles pour qu'ils détournent leur attention. J'ai demandé aux rebelles de faire un repérage de la zone. Tous à terre. J'ai demandé des renforts aux rebelles. Cible neutralisée.
contrôle l'unidad en patrouille. Attention. Vague lancée. Attention les yeux. Un hélico. L'unidad profite pas, attention. Un hélico, tous à terre. Le drone a hélico, baissez-vous. Le signal est foireux, ils doivent brouiller le drone. A todas las unidades, comiencen el ataque. Vague lancée. Lancé, comme une merde à couler rouge. Putain, c'était juste. Hélico de l'Unidad, profil bas. Je vois que dalle, mon drone est brouillé.
Un hélico de l'Unidad. Profil bas. J'ai demandé une diversion aux rebelles. Ça va tout le monde? Putain, ce que j'aime mon boulot! L'hélico approche. Le camion fout le camp! Je crois qu'on les a pris. L'hélico est foutu! A todas las unidades, comiencen el ataque! Prêt, feu à volonté.